force politique yo, société civile là yo, des groupes qui dit que c'est société civile, représente société civile là, malheureusement jusqu'à présent pas qu'arriver à une symbiose pour nous sortir avec un accord qui représentait largement aspiration, toutes couches confondues, pour dégeler la situation. Secteur démocratique et populaire, en tant que groupe politique qui toujours charrié, qui toujours accompagné la population, dans un combat pour changer la vie, dans un combat pour bien-être là, tout en respectant nos fondamentaux, New York qui c'est libération prisonniers politiques, procès Petro-Caribé, procès massacre et autres, nous entraînons des marches depuis le 7 juillet pour nous joindre ensemble avec toutes forces confondues, y a un accord consensuel pour sortir le pays à nos alliés. Comme ça, secteur démocratique et populaire, là, dans la démarche ça, pour joindre un accord largement large, ça, l'y rencontrer à différents groupes et personnalités politiques et civiles. Dans l'objectif pour nous mettre ensemble, pour nous présenter un accord pour ce pays à sortir dans la situation difficile que lié. Parce que le secteur démocratique, là, quoi? Pas de rien qui est capable de faire là dans la situation spéciale que nous y est là, que le pays y est là, sans un accord, toute couche confondue dans la société a, qui voulait le pays ça redémarrer, qui voulait le Haïti reprendre rail. Comme ça, dans la démarche pour joindre l'accord ça que nous prenons nous-mêmes dans la SDP, nous connaissons qui est indispensable. Je dis à. Nous avons gagné plusieurs rencontres. Nous avons gagné des rencontres avec certains ambassadeurs dans le corps diplomatique. Là. Nous avons gagné une rencontre avec Dr. Ariel Henry, qui s'est occupant primature là, de fait. C'est dans ce sens-là, toujours dans la recherche d'un accord politique qui est capable de répondre à revendications et aspirations. La classe politique, la population et les représentants de la société civile. Nous sortons dans la rencontre ça yo, toujours dans l'intérêt pays, dans l'intérêt pour nous joindre consensus, ça, pour nous joindre accord. Ça. Nous venons réunir avec la presse pour informer la population sans démarche ça et différent ça que nous discutons. Non, rencontre ça, c'est pour ça que nous l'ajoutons. Merci beaucoup. 4 ans. Secteur démocratique là, boumé, pour nous capables de vivre, offrir nation, une situation de gouvernance telle que chaque monde est capable de vivre là-dedans, pour nous sentir droit et respecter comme monde. Malheureusement, pendant 4 ans, la situation a dégénéré. Gang pas ci pas là. Grand goût monter drapeau le haut tête ciel. Chômage pour jeunes garçons, jeunes femmes, c'est pas parler. Dans mi temps tableau somme ça. Jovenel Moïse qui tape menon politique d'encourager les gangs. Qui tape menon politique de destruction des institutions nationales. Qui tape maintenant une politique de terreur qui fait que il y a un paquet d'exécutions sommaires et massacres qui fait dans le pays. Et bien, cette politique de violence, et bien, l'y emporté Jovenel Moïse qui lui-même mourit par la violence. Et on mort que nous déplorons, nous autres du SDP, parce que nous avons besoin de Jovenel Moïse aller en dans le pénitencier pour répondre de crimes que le fait pays. Je dis à. Ça fait près de 26 jours, si je ne m'abuse, depuis que Jovenel Moïse mourit, et le pays a retrouvé avec un monde qui occupait la primature, sans que ce n'est pas société, ce n'est pas diverses couches,
diverses composantes dans la société qui te mette moun sa à côté lié. Naturellement, occupant primature là, li genye yon nomination que Jovenel, une désignation Jovenel Moïse te fait de lié, une nomination comme premier ministre. Cependant, nous autres, depuis 7 février 2021, nous te connaît constitutionnellement mandat Jovenel Moïse te fini. Donc pour nous, jodi a là, Haïti pas non situation côté ni constitutionnellement ni légalement te gagné prévision que te fait pour capable répondre à la situation nous là pour ta gagné au monde qui entré en dans primature ou bien dans palais national. Après compréhension ça de situation, secteur démocratique là te dit tête li solution situation devant nous là, c'est pas une situation côté un parti politique, une organisation capable chita pour quelle que soit force que l'État a gagné pour le dire, mais solution pour le pays. Donc nous croyons qu'on nécessite aujourd'hui pour le pays arriver à un accord politique. Dans ce sens, le secteur démocratique là, prend le bâton pèlerin pour le dire, nous ne pouvons pas entrer dans aucune initiative côté c'est un monde, un parti qui décide mes solutions. Nous ne pouvons pas signer un lien qui est antagonique. Nous prenons le travail avec tout le monde pour nous arriver à un accord inclusif qui réunit toutes forces vives, société civile là, forces vives et partis politiques, forces vives pays là, globalement. Dans ce sens, ça, secteur démocratique là, chita parler avec société civile qui cherche une solution haïtienne dans la crise là. Nous faisons plusieurs rencontres ensemble avec eux. Nous partageons point de vue nous avec eux, compréhension nous de situation pays a et compréhension nous sous façon pour crise ça nous la donne pays a sorti la donne. Nous chita parler avec marché pour la vie. L'autre branche société civile là qui gagne monsieur Gédéon Jean cap diriger. Nous chita parler avec eux à côté d'autres personnes. Nous secteur démocratique là chita parler avec les signataires du protocole d'entente, qui était désigné Lambert Joseph Fouette, le président de la République, qui était désigné Ariel Henry comme premier ministre. Nous avons un problème qui vient passer dans le temps, à un moment donné, après désignation, vient gagner un retrait de appui ça, que le protocole d'entente l'a dit par Ariel Henry. Mais malgré tout, nous croyons que nous avons une parole pour nous dire tout dans la crise du pays à la dedans. Secteur démocratique là, chita parler avec les entités non signataires du protocole d'entente. Par exemple, ou bien OPL, ou bien INIFOS, ou bien Vérité, etc. Nous chita avec toutes les entités sa yo. Mais tout chita sa yo vise un seul bagay. Pour chaque monde qui gagne une proposition pour résolution crise là, pour une potel sous table, pour nous tous ensemble, nous prenons ça bon dans ça, sortir à une seule proposition pour nous bailler pays pour nous sortir dans la situation nous là. Malheureusement, jusqu'à date, nous pas encore arrivé à cette proposition unique. Secteur démocratique là, chita, Jean et Marjorie sont dit là, nous chita avec des mouns en dans corps diplomatique là tout. Parce que ils étaient là. Les Jovenel Moïse t'a crasé toute institution dans le pays. Yo te là, les Jovenel Moïse t'a fait massacre dans le pays. Yo te là, les Jovenel Moïse t'a encouragé, financé, protégé gang dans le pays. Donc nous estimons qu'ils ont leur mot à dire dans la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement. Donc nous chita avec eux pour nous dire voici qui sa responsabilité par nous. Le moment est venu pour le pays pour nous arriver à une solution. Un, pour nous résoudre cette question de sécurité qui kembe nous dans gorge dans le pays, hein? Pour nous résoudre le problème, moun pa ka déplacer dans route grand sud, route grand nord, côté moun a mouri chaque jour, question kidnapping que nous sommes passés qui l'a toujours. Donc nous disons, yon une responsabilité. Yon une responsabilité pour yon parler avec moun sa yon te fin qui te prend proportion ça que yon prend pour nous arriver à ce climat apaisé, ce climat de sécurité que le pays a besoin pour nous avancer. Après toute rencontre ça yo, nous estimons que nous pas gain droit faire mes têtes nous pour gien moun nous a parler gien moun nous pas parler parce que ça n'a fait assez bon bagaille secteur son bagaille pour le pays. C'est tout masse pays à nous voulons mettre chita ensemble pour nous arriver à une solution. Dans ce sens ça, nous te recevoir une invitation du premier ministre Ariel Henry, premier ministre de facto l'occupant de la primature. Nous analyser
nous dit faut qu'on aller dit Ariel Henry les quatre vérités, faut aller parler avec lui. On parle avec et mettre André Michel pral dit nous qualité parole que nous parle avec Ariel Henry aujourd'hui. Peuple haïtien en général, particulièrement membre SDPO, militant SDPO et tout manifestant yo qui te connent dans la rue. Et n'a pas rappelé pour tout le monde qui attendait nous. Vendredi qui s'est passé là, dans le cadre de rencontre, nous avons rencontré presque tous les délégués SDP, secteur démocratique. Nous avons eu des rencontres, nous avons eu une rencontre dans Port-au-Prince avec le département de l'Ouest et Grand Nord. Et nous avons eu une rencontre dans la région des Pales avec Grand Sud. C'était pour faire qui ça? C'était pour nous parler avec eux, pour nous demander yo, qui stratégie pour nous appliquer dans le moment ça. Yo te partagé préoccupation yo pour nous sortir rapide dans la crise là. Parce que jodia c'est moun nou yo k'ap souffri. Moun par exemple dans Grand Sud qui pas ka traverser Matissan. Moun Cité Soleil la Saline. C'est yo k'ap souffri. Belè. C'est eux qui ont souffert et l'école pas ouverte. Nous, comme groupe responsable, nous disons qu'il faut que nous dégagions une coumette Jean-Jacques pour qu'il y ait un accord politique avec tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, nous avons dit, délégué nous, est-ce que vous êtes d'accord pour nous parler à tout le monde, sans distinction? Nous avons dit, va. Nous avons demandé de continuer à parler. Et c'est dans ce sens-là, Jean-Éric Casso dit nous, nous font pile rencontre. Mais il y a des gens qui pensent que nous avons kembe bataille peuple là seulement dans la rue. Hein. Nous pas utiliser l'arme de la dialectique. Sous Jovenel, nous pas qu'à utiliser. Parce que Jovenel, pas un homme de parole et il a fait un pile crime, il a fait un pile acte sur la population. Hein. Nous ne disons pas principe, nous pas chita avec elle. Et Ariel Wenchita, André Pral dit nous ça. Le jour qu'elle pas respecté peuple, il pas respecté secteur démocratique, l'a fait des dérives. Nous pas chita avec. Parce que nous-mêmes, nous pas chercher Timo Sopin. C'est pays n'a pas construit. Et c'est ça que Fendi dit, faut qu'on accord politique avant de reconnaître gouvernement. Gouvernement qui a sorti un accord politique que tout le monde a participé là-dedans. Pas gouvernement doit être gauche. Chercher quelques grains de monde dans le contrebande. Nous ne pas reconnaître CEP qui l'a tout. Parce que ce CEP, le peuple a fait confiance pour nous reconnaître. Oui. Nous ne pas reconnaître Ariel tout s'il pas participé dans l'accord. Si tout le monde est d'accord pour Ariel venir premier ministre. Yes. Ça veut dire qu'il est important pour nous saisir préoccupation du secteur démocratique. Tout marché, secteur marché rencontre monde, c'est pour permettre que nous arrivions avec un accord politique. Peuple a fatigué, peuple a souffri, nous avons besoin d'activité reprendre. Nous voulons vivre, jeunesse a voulu l'espoir, nous voulons construire le pays. Et nous voulons avec tout le monde, nous voulons sécurité. Et c'est peut-être ça que m'a profité de l'occasion pour demander au groupe armé de déposer des armes. Nous pas cap théoriser propre population par nous. Déposer les âmes, nous voulons la paix. Et c'est ça n'a pas cherché. Moun qui a un problème à la justice, cherchez avocat. Mais déposer les âmes parce qu'on pas cap faire sans couler encore. Et c'est dans ce sens ça, moi je veux que peuple haïtien comprenne très bien. Dans quatre batailles nous, nous pas quitter une grande revendication. Nous considérons Ariel comme un acteur, même j'ai l'autre acteur. Parce qu'ils sont acteurs importants, ils occupent la primature. De fait, ils sont acteurs importants. Si nous avons ignoré, c'est que nous ne pouvons pas comprendre rien dans la politique. C'est que nous chitons avec elle, mais nous passons de 1 pouce dans la revendication. Et nous pas Ariel 1 poussière en termes de reconnaissance et de légitimité. Nous pas 1 poussière. Parce que tout ça, pour nous faire, il faut que le public en donne accord et que le peuple est d'accord. Et c'est dans ce sens-là que je veux que le peuple haïtien continue à placer confiance dans SDP. Nous avons avancé, nous avons toutes les revendications en bas pour nous.
Mais nous avons moyen stratégie pour nous montrer qu'il y a un sur l'autre pays. Parce que définitivement, nous voulons tout haïtien parler avec haïtien. Et c'est ça qu'on a fait. De pas criminel ou pas voler. Ou pas de mauvaises affaires, nous parlons avec.